resterai à tes côtés pour ne pas m'égarer tout là-haut. Oh, 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 oh. Avec, alors en réalité c'est une vidéo qui se que j'enregistre à la suite d'une autre. Je pense que vous aurez reconnu le make-up puisque ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée comme ça. Je vous reviens donc pour les produits terminés. Je vous le fais ici parce que ça reste plus simple d'un côté que je le fasse là plutôt que de l'autre côté. Enfin bon, on va commencer de suite parce qu'il y en a beaucoup. Il y a deux bacs en réalité. Donc je vais commencer par celui-là parce que c'est celui qui est le plus tangent, enfin qui est le de travers. Alors, j'ai le cottage au lait de réglisse. Cette odeur me faisait une envie folle. Et comme ça, j'aime bien. Mais à utiliser quotidiennement, non. Ça m'a vite lassée. Donc du coup, je l'ai mis. J'en avais deux. Et le deuxième, j'ai mis en lave-main. Donc ça, c'est le deuxième. Et je crois que j'avais dit la première fois que c'est pareil, que ça ne me plaisait pas. J'avais un gel douche de Galéo Nature à la noix de coco que j'avais pris à Noz à 1,90€. Autant l'odeur sur le coup me plaisait beaucoup. Et autant arrivé à la maison, on va dire que ça, mon avis a changé au moment de l'utiliser. Et j'ai directement mis pour me laver les mains. Donc je l'ai passé en lave-main. Ça a très bien fait l'affaire. Hein. Voilà. C'est pas comme si j'en manquais. Je sais plus si vous l'aviez vu, mon bâton Roseliane de Uriage pour la... Là, j'arrive plus à le sortir, hein, ce qui reste. C'est le vert, là, pour cacher les rougeurs. J'arrive pas à le retrouver. Donc, apparemment, il est discontinué, celui-là. Si vous avez des infos, donnez-les-moi, n'hésitez pas. J'ai fini un email démaquillant waterproof. Je les aime toujours autant. Oui, si j'ai selon comment j'ai les yeux, s'ils sont sensibilisés ou pas, je le supporte mal. Sinon, il va très bien. J'ai fini la pierre d'Alain au lait et fleurs de lotus. Alors si je ne me trompe pas, c'est celui-là qu'il ne faut pas que je mette plusieurs jours d'affilée. Parce que sinon j'y fais allergie. Donc une fois de temps en temps, ça va. Sinon, voilà, j'avais acheté au promo Leclerc de l'année dernière. Et j'ai l'impression qu'il y en reste, mais quand j'appuie, il n'y en a plus. Donc rien. J'ai fini le Rexona Maximum Protection. Donc ça c'était pour l'été. Là, j'en ai ressorti un, mais que j'utilise plus occasionnellement. Je vais y arriver. Mais celui-là, c'est un que l'odeur, je l'adorais. Voilà. D'ailleurs, il est collé. Alors, celle-là, l'odeur, j'adore. C'est super frais et tout ça. Ça fait un peu penser au thé vert. Donc, celui-là, le vert, si j'ai l'occasion d'y retomber dessus aux prochaines promos Leclerc, je ne prendrai que celui-là. Je ne prendrai plus les autres. Je prendrai que celui-là parce que celui-là, ça a été mon coup de cœur. J'ai fini une petite... Alors, je pense que je vais garder le flacon, par contre. Un petit... c'était un petit tonique que j'avais acheté sur Testery Korea ou... Enfin, le site coréen sur lequel je vais. Si j'y pense, je vous le mettrai en annotation sur la vidéo. Sinon, dites-le moi, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est le Vita Up Facial Water à l'orange. Donc ça sent vraiment l'orange. Oui, bien. Il était bien. Voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il se termine vraiment jusqu'au bout. C'est rare que, en général, souvent c'est mal coupé. Là, vraiment jusqu'au bout. Et ouais, il était bien, quoi. Mais j'ai pas vu non plus d'effet. J'avais pas le teint plus éclatant. J'avais pas. Bon. J'ai utilisé. Alors c'est de qui ça de. Facial Derm, un masque que j'avais trouvé à Noz à 1,50€, donc les masques en tissu, vous savez que c'est maintenant c'est quasiment les seuls que j'utilise, puis c'est les seuls que j'aime en réalité. Masque au thé vert, antioxydant, anti-vieillissement. Donc vous avez remarqué, j'ai rajeuni de 20 ans en utilisant ça. c'est du grand n'importe quoi, mais le masque il est bien. J'aime bien leur côté frais et tout ça, mais après, est-ce qu'ils ont un vrai effet? Il y en a certains, les hydratants et tout ça, oui, je vois, parce que je ne mets pas de crème derrière. Je laisse travailler le produit, je ne mets pas de crème. Mais après, des vrais effets, j'y crois pas. Un que j'adore. Alors, je ne sais pas à quoi il sert, justement.
Je sais pas s'il est pas hydratant ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien. Celles qui savent, n'hésitez pas, puisque vu que c'est pas marqué en français, moi, c'est mort. C'est de Foodolic ou je sais pas quoi. Superfood, ouais. Enfin, de Skincare, non. Enfin, vous allez vite reconnaître. C'est au concombre. Voilà, c'est ça. Masque, c'est un truc que j'avais pris sur un site asiatique. Ceux-là, j'adore. Ceux-là, ils ont vraiment un effet tenseur et frais. Mais vraiment frais. Le tenseur, ouais, quand même, mais surtout frais. Très, très frais. Celui-là, j'adore. Quand il fait très chaud, c'est vraiment l'idéal. Je jette à mon grand désespoir, puisque je ne l'ai pas utilisé du tout. La sauce Suzanne, donc c'était un enlumineur. Ouais. Enlumineur pour pur à base d'eau. Enfin, c'était ça qu'on avait reçu dans une box. Et un jour, en le déplaçant, je me suis aperçue qu'il était cassé. Donc, ça a tout séché dedans. Voilà, c'est... Bon, alors, rien que le fait, j'aurais pu mettre transvasé dans un pot, mais je ne savais pas depuis combien de temps ça avait été cassé. Donc, je préfère jeter. Voilà. Je ne l'ai pas utilisé, on ne sait jamais. J'ai encore fini un bain dissolvant qu'on trouve à Leclerc, c'est Isiance. Toujours très bien, voilà, c'est les seuls que j'utilise, donc je ne vais pas faire non plus un plat là-dessus. Je jette le Lash Princess de Essence, enfin j'ai terminé, hein, un mascara. C'était une brosse en poil, je crois, ouais, enfin poil silicone. Il y en a plein qui ne l'ont pas aimé, moi j'avais bien aimé. Mais bon, là, quand c'est fini, c'est fini. Hein. Puis bon, il a plus de près d'un an, je crois. Donc, même s'il en reste un fond. Je jette... Enfin, j'ai fini les larmes de fantôme de Garancia et je ne rachèterai absolument pas. Alors là, je suis super déçue de Garancia. Ça fait plusieurs produits que je suis déçue et vous allez voir qu'il y en a un autre. Non, parce que j'ai pas vu d'effet, quoi. À part le côté rafraîchissant de la bille en métal, il n'y a que ça, quoi. Sinon, ça fait que dalle. Ça sert à rien. Voilà, vraiment à rien. J'ai fini un de mes petits baumes. J'en ai 6, je crois. Claire's, avec... Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, là, il fait trop sombre. Je pense pas que vous verrez. Bon, je vous le montre quand même comme ça, mais je sais pas si vous aurez vu. Alors ça, bien sûr, je ne jette pas. C'était juste parce qu'il y avait des chats dessus, hein, que... que je l'avais acheté et je le garde vide et là j'utilise le rouge. J'ai fini, ça fait 5 ans que je l'ai celui-là, j'ai fini mon Lady Million, voilà, en forme de diamant, ils sont toujours en forme de diamant je crois, mais ça c'est le gros, c'est le 50 ml, ou 100 ml, je sais plus, je crois que c'est le 100 ça, c'était le gros, hein, je sais pas si on ne peut pas le voir. Eau de parfait, vaporisateur, spray, 80 ml. Voilà, comme mon homme m'avait offert. Bien sûr que je garde le flacon. Hein. Je ne le jette absolument pas. Je garde mes flacons de parfum. Pas chercher à comprendre. Et je suis toujours aussi fan de ce parfum. Je jette mon... Je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai retrouvé mon micro crayon à sourcils d'essence. Ouais, parce que là, c'est trop galère. Et je m'inquiète pas, j'en ai 9. Donc le premier bac est fini, on va entamer le deuxième. En premier, je jette, alors je crois que c'était Maletti qui me l'avait envoyé dans une, il y a deux produits d'ailleurs, dans un swap de Jane Frida, c'est le Full Repair. Redonne vie aux cheveux très abîmés, c'est un soin dévelant réparateur. J'ai aussi le masque réparateur intense que j'ai terminé. Alors... Je suis désolée parce que c'est quelqu'un qui m'en a fait cadeau, mais je ne vais pas non plus mentir. J'ai pas trouvé un effet waouh. Voilà, c'est sur mes cheveux à moi, ils sont épais, ils sont pas dociles du tout, ils font leur vie. voilà, ça n'a pas... Si, sur le coup, le premier jour, mais après, ça, l'effet part super vite, quoi. Donc, voilà, j'ai pas été très convaincue. Alors, je sais plus, pareil, c'est laquelle des deux, entre Anna et Letty qui me l'avait offert, sachant que je l'aimais. Mais j'ai passé Secret de Magnolia et Carité, là, à la sortie de l'été, avant les premiers froids, voilà, à peu près. Au début des premiers froids. Et j'aime toujours autant cette odeur. Et j'ai ressorti puisque ça fait partie des gels douches que je trouve qui ont un côté réellement hydratant. Et plus ça va, plus j'ai la peau qui est sèche alors qu'à la base, elle ne l'était pas.
Et je trouve que voilà, ça a un réel bénéfice dessus. Donc oui, je rachèterai à l'occasion. Mais d'abord, je vais essayer de finir mon stock. Essayez. J'ai passé ce matin, alors c'est ce matin, c'est tout chaud, hein, une bombe de bain, et c'était la Honebi. Après, il y a autre chose derrière, mais c'est la Honebi. Ouais, bof. Celle-là, autant l'œuf du dragon, j'en suis tombée amoureuse, autant celle-là, je ne rachèterai pas. J'ai pas trouvé plus que ça. Si elle a un côté hydratant, j'ai remarqué dans l'eau, on avait un peu l'impression que l'eau était un peu huileuse. C'est pas le bon terme, mais voilà, un petit côté hydratant, mais sorti de ça, voilà. Donc celle-là, non, je ne rachèterai pas. J'ai fini encore des Inel coton, c'est les maxi carrés là. Voilà, mais ça, je ne suis pas la seule à en finir. On est plein. Et je rachète que ça, de toute façon. Donc, j'ai fini un savon que j'avais eu dans une box. C'est le savon Maya. Donc l'odeur, franchement, je n'étais pas fan. Hein. Je crois qu'il y a encore l'odeur dans la boîte, mais ouais, il y a encore l'odeur. Ça me fait penser au. Alors ça se présentait, j'ai gardé le papier. Okay. Ça se présentait comme ça. Ça me fait penser au vieux savon de quand j'étais gamine chez mes grands-parents. Ben, non, je rachèterai pas, mais je passe pour laver mes pinceaux. Donc, même l'odeur, là, ça me dérange pas. Pour laver les pinceaux, on s'en fout. J'ai fini donc le shampoing. Je crois que je vous ai parlé de l'après-shampoing. Ou est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Non, j'ai dû déjà vous en parler. Donc le shampoing nutrition lait de karité miel cheveux cassants du petit marseillais, ouais bof, autant le shampoing que l'après shampoing, je trouve pas de réelle efficacité, pas sur mes cheveux en tout cas, voilà, pas plus que ça. C'est pas non plus un mauvais produit quoi, mais bof, voilà, c'est juste bof. J'ai fini un énième Intima. Est-ce que je rachèterai? Je ne sais pas, puisque le cadome là quand même. Mais bon, à l'occasion, oui, sinon. L'un ou l'autre, quoi, je m'en fous. J'ai fini mes deux échantillons. Les deux échantillons de l'émulsion hydratante lissante Shiseido. Voilà, j'aimais bien le petit flacon tout mignon. Là, il y est dedans. J'ai fini les deux. Il y en a un que c'est Maletti qui me l'avait envoyé. L'autre, c'est moi qui l'avais. C'est une émulsion, c'est bien. Gratin, lissant, c'est bien. Si elles le disent, je ne veux pas dire que c'est faux. En tout cas, pas sur moi. Le Wish, le body butter, le lait pour le corps Wish, que je déteste l'odeur, qui sent une espèce de fraise chimique, voilà, j'aime pas. Je l'ai vite terminé sur les jambes, bon, 2-3 fois en mettant un paquet. Je rachèterai pas parce que j'aime pas. Enfin, j'aime pas l'odeur. J'ai terminé, bien sûr, mon cottage à l'huile d'argan. Que je crois que c'est de nouveau Maletti, je crois qu'il m'avait envoyé. Ou c'est Anna, enfin une des deux. Hein. Ça y est, je l'ai terminé. Et oui, je l'aime toujours autant. On a le tic, hein, de sentir nos produits, mais c'est dingue. Hein. J'ai terminé un toner de la marque Himalaya Herbal. Voilà, que j'avais eu à une rose à 99 centimes. Est-ce que j'en achèterai? Non. Et je me bats pour essayer de terminer la crème pour les mains. Bon, ils sont pas mauvais, mais c'est pas non plus à se taper le cul par terre, hein, franchement. J'ai vu les prix, c'est pas super donné quand même comme produit. Ailleurs hein, que chez Noz, je suis vraiment pas fan. Hein. J'ai pas vu d'effet, j'ai pas vu l'odeur, je suis pas fan. Bon, après c'est personnel, hein, on est d'accord. J'ai terminé un lait corps sous la douche, délice de cacao de Niver. Est-ce que je rachèterai? Oui, bien sûr, j'en ai d'avance. Mais ça, les matins pressés. C'est nickel. Bon, bien qu'en ce moment, j'ai pas ce problème, mais sinon, c'est nickel. Ouais, je rachèterai. Sans problème. Enfin, j'ai déjà racheté et je rachèterai à l'occasion. J'ai enfin terminé mon huile extraordinaire que j'avais acheté l'année dernière. Oui, l'année dernière, au Beauté Leclerc. Bon, il me reste un chouïa, mais bon, tant pis. J'ai bien aimé. J'en mettais tous les jours. Ouais, quasiment tous les jours.
ça regresse pas le cheveu, ça le nourrit bien, ça le fait briller. Enfin, voilà. Et là, j'en ai une autre, mais de la même marque, hein, mais pas la même catégorie. Mais, voilà, j'en ai une autre. Et oui, je rachèterai. J'ai terminé, malgré ce qu'on dirait, j'ai terminé, parce que j'arrive plus à choper, de l'Eno, le confort exfoliant. Peau sèche à tendance atopique. Ça, là. Ça. Ça. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais de ma vie. Alors, il vaut mieux le passer avant lavage que après lavage. Parce que sinon, vous avez l'impression d'avoir trempé dans un bidon d'huile d'olive. Puisque c'est l'olive. C'est tout à fait ça. L'exfoliation, on la cherche. Le côté gras, on le trouve de suite. Mais de suite, dans les secondes qui arrivent. Donc non, non, plus jamais. Plus jamais. L'Eno, ça, c'est pas la première fois que je suis déçue par l'Eno. J'avais essayé un baume à lèvres, j'avais pas aimé non plus. Et là, l'exfoliant, mais c'est une horreur, quoi. Mais même après douche, même si on le fait en premier, je me suis savonnée jusqu'à 2 à 3 fois pour arriver à faire partir ce côté gras, quoi. Et pourtant, j'ai la peau qui est sèche en ce moment. Enfin, qui est plus sèche qu'avant, quoi. Donc, c'est pour une peau qui est plus que sèche. Je sais pas, il faut... C'est ouais, un croco peut-être qu'il faut qu'il l'utilise, je sais pas, mais il faut vraiment avoir une peau plus que sèche pour l'utiliser, vraiment. Je jette parce qu'il me reste un fond que j'arrive plus à choper d'ailleurs, en fait, de Skin, c'était un sérum. Tout le monde en fait un flan de ces sérums-là, et ben j'ai pas dû prendre le bon. Mais celui-là, il m'a pas... voilà, c'est le 10 et... Je rachèterai pas. Je pense que je vais revenir au Caudalie et puis basta. On va arrêter de se casser la nénette pour rien. En parlant de Caudalie, j'ai utilisé parce que je me suis aperçue que j'avais de nouveau la zone T grasse. Alors que passé un temps, elle était sèche. Elle est revenue d'ailleurs au sec. Ça me saoule. Le vino source, le matifiant, le fluide matifiant hydratant. Voilà, il est parfait pour moi. Il est matifiant, il est hydratant. Voilà, parfait. Donc quand j'ai de nouveau la zone qui regresse, je sors ça. Donc j'en avais deux. Là, j'en ai passé une. Là, je suis en train d'essayer un autre produit qui est plutôt pas mal aussi. Mais Vino Source, je crois que ça reste... je suis jamais déçue par les Vino Source. Jamais. Ce qui n'est pas le même cas qu'avec un des produits que je vais vous montrer. Je jette un Labello Gloss parce que ça fait 10 ans au moins qu'il est entamé. 10 ans, j'exagère, mais c'est peut-être pas trop loin non plus. Ça fait énormément de temps. Je sais pas, ça fait combien de temps que je l'ai. Il pue en plus. Donc je le jette parce que là c'est plus possible. Donc celui-là, je sais même pas si ça existe encore. Hein. Voilà. Je jette. Alors, ma déception. La bébé crème de Garancia. Donc le charbon et le marabout que j'adorais. Les derniers temps que je l'utilisais, alors où ma peau s'est habituée, où ma peau avait vraiment changé, mais je m'apercevais que ça allait de moins en moins bien. Et les derniers temps, c'est carrément déphasé, donc enfin voilà, il m'en reste un peu dedans, hein, il ne doit pas me rester beaucoup, il me reste ça à peu près. Ben, ça fait chier quand même, enfin excusez-moi du langage, mais quand on connaît le prix du produit, ouais, ça saoule. Et elle est utilisable que 6 mois, mais ça faisait moins de 6 mois quand c'est déphasé. Donc voilà, donc déçu de ce produit-là. Donc, enfin là, je me décide à jeter, de toute façon, elle est plus bonne. Donc. J'ai utilisé de Emma les douches mousse, les Dreamy. Voilà, l'odeur j'aime bien. L'odeur, ça sent super bon. Par contre, j'ai utilisé en 3 douches. Mais 3. 3 douches. Voilà, 3 douches, quoi. Et par contre, je ne vois pas... Autant pour le visage, ça va. Ça va. Autant pour le corps, j'ai pas l'impression de me laver avec ça. Ouais, faut pas chercher. Donc, il m'en reste 2 que je vais passer. Bon, ce sera vite passé, hein. En 3 douches, ça passe vite. Ouais, je suis pas fan, quoi. Après, les odeurs sont sympas, mais je suis pas fan. Il y a tout qui va se casser la gueule, attendez. Voilà.
Et donc les deux derniers produits, ça de toute façon je ne jetterai pas parce que je vais récupérer la boîte. Alors, un beurre corporel au moringa. Alors ça, c'est ma connerie. Vous voyez, il en reste pas beaucoup. Mais il en reste. Il a viré. Il a ranci. Il pue. Et là, je suis dégoûtée. Dégoûtée parce que le moringa, c'est mon odeur préférée. Et ça, c'est ma connerie, mais pure et dure. C'est que quand j'aime quelque chose, je l'économise. Mais c'est pas la première fois. Alors que ça soit pour la bouffe ou pour tout. Ouais. Je l'économise. Mais parfois, je l'économise tellement que je le jette. Et en gros, c'est ça. Je l'ai tellement économisé que là, au final, je suis obligée de le jeter puisque... il est mort, quoi. Le produit est mort. Par contre, je vais garder la boîte pour les savons, pour les shampoings secs Lush. Parce que je crois que ça va rendre pile poil dedans. Et j'ai fini en parlant de Lush. L'Aquamarina. Ça y est. Qui sent quand même... Et la boîte est propre. Je l'ai lavée. Et ça sent quand même. J'adore. Alors, je sais. Ne vous affolez pas. Je sais qu'il faut garder la boîte. Pour avoir un masque frais. Donc, ce sera le seul moment. D'ailleurs, j'aurai un masque frais. Parce que je ne veux pas acheter un masque frais. Alors, pour des raisons simples. Hein, c'est que le frigo est en bas. Donc, ça me saoule d'aller mettre un truc au frigo en bas. Penser à le remettre à chaque fois. Enfin, je l'avais déjà expliqué. Mais je vais garder quand même la boîte. Puisque si j'ai droit à un masque frais, j'ai droit à un masque frais. Et puis, je verrai peut-être avec elle s'il n'est pas possible de négocier pour avoir autre chose qu'un masque frais. Si elles sont d'accord. Je ne veux pas non plus... dites-moi d'ailleurs si vous avez réussi hein, à ce que dans une boutique elles acceptent de vous donner autre chose qu'un masque frais. Voilà, est-ce qu'elles sont d'accord ou pas. Écoutez, plus de 20 minutes pour deux corbeilles de produits, j'estime que c'est quand même pas mal. J'ai pas trop traîné non plus. Je pense que j'ai sans doute oublié des choses. Hein. Je regarde là, mais j'ai sans doute oublié des choses. Mais vous inquiétez pas, vous les aurez pour les prochains. Et puis là, je pense que je vais faire un peu le tri dans mes placards et tout ça, de voir s'il n'y a pas des choses qui sont périmées. Parce que la Garancia, par exemple, je savais qu'il ne fallait pas l'utiliser parce que je savais qu'elle était plus bonne. Mais je l'avais quand même laissée dans le placard. Quoi. C'était ridicule. Le sérum, c'est pareil. Non, ça, je l'avais enlevé déjà. Voilà, il y avait plusieurs choses. Donc, je vais refaire le tri de mes placards et il y a des chances où retrouviez plein de choses. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse enfin, je vous laisse en paix, et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Et bisous.